Bonjour. Bonjour mes élèves. Bonjour à tous. On va voir maintenant dans le cadre de la matière économie, organisation administrative des entreprises, on va voir la différence entre les objectifs, la mission et le métier. Premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est les objectifs. Et dans ce sens des buts, quantifier, ça veut dire quantifier des nombres, des quantités mesurables, fixer, un horizon, déterminé, on va donner des exemples. Je recommence. Ce sont des buts quantifiés fixés à un horizon terminé qui traduisent les finalités de l'entreprise. Exemple, augmenter le chiffre d'affaires. Cette augmentation de maître permet d'atteindre la finalité qu'on a déjà définie dans la dernière vidéo. Et il y a trois types de finalités: économique, sociale, sociétale. La finalité d'augmenter, c'est la survie et la puissance. Maintenant, on va définir l'autre concept, c'est la mission. Qu'est-ce que c'est la mission? Et la réponse aux attentes des marchés. Aux besoins des clients. Exemple. La mission de Sony, j'écris pour ne pas l'oublier, de Sherika de Sony, est d'offrir je donne un autre exemple, celle de Renault.
et d'offrir solide. Troisième chose, c'est le métier, le dernier concept à définir dans ce vidéo. Qu'est-ce que le métier? Je peux la définir comme ça, c'est l'ensemble des compétences distinctives de l'entreprise qui lui permet de se distinguer de ses concurrents. Voilà la définition de métier. Je donne un exemple. Le métier de Sherika Likachmara First Division d'Eyman Tatouha Bini, bâtiment. Voilà, on a terminé ce vidéo. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser la question.